consultant IT chez CNR Informatique. Aujourd'hui, le webinaire, son sujet, donc on va voir comment gérer au mieux l'adresse IP, donc les adresses IP, l'adressage IP et les suivis de périphériques réseau avec les solutions SolarWinds. Plus exactement, donc nous allons voir la solution IP Address Manager, IPAM, son acronyme, et User Device Tracker, donc UDT, pour son acronyme également. Donc, dans un premier temps, petite introduction, qui est SolarWinds? SolarWinds, donc, c'est une société, une compagnie qui a été créée en 1999 et va proposer des solutions informatiques permettant de faciliter la vie des professionnels IT et autres MSP. Leur philosophie là-dessus, donc c'est vraiment finalement des produits faciles à appréhender, à mettre en œuvre, à administrer, garantit donc une performance accrue de la part finalement des techniciens qui font la maintenance et notamment des gros points sur l'évolutivité donc la scalabilité donc permettant finalement d'avoir un produit qui va grossir en même temps que la taille de l'entreprise par exemple. Donc SolarWinds, leur siège qui se retrouve à Texas, et c'est 2200 donc salariés à travers le monde donc en 2015 pour un chiffre d'affaires total d'un demi milliard d'euros. Leurs clients, ils vont avoir plus de 50 000 clients à travers le monde. 50 millions, ça serait un peu trop beau. Donc allant de petites entreprises aux plus grandes sociétés, aux plus grands groupes. Donc bien entendu, qui font confiance aux produits de SolarWinds. Donc vous pouvez voir, on va pouvoir retrouver Kellogg's, FedEx et autres donc très grosses compagnies à travers le monde. Leurs produits, donc ceci est la liste non exhaustive, mais c'est déjà pas mal. Donc vous pouvez voir les deux produits en rouge, c'est les produits que nous allons voir aujourd'hui, ça va être notre focus. On peut citer alors leurs produits phares, par exemple tels que Network Performance Monitor, donc au-delà des produits qu'on va présenter aujourd'hui, donc Network Performance Monitor, NPM, et notamment aussi par exemple NetFlow Traffic Analyzer. Donc NPM, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait, simplement, encore faut-il le décrire, mais c'est un scanner en fait qui va voir toutes les pannes réseau en fait environnant. On peut citer par exemple un concurrent direct néanmoins plus petit parce que Network Performance Monitor, ça va être une solution vraiment adaptée pour par exemple type data center. On peut citer par exemple PRTG Monitor. Donc au même titre, Network Performance Monitor et Network NetFlow Traffic Analyzer. Donc cette fois-ci qui va analyser finalement tout le trafic de bande passante, justement, donc passant sur tous les ports de vos différents switches, appareils, etc. Et d'autres produits, par exemple aussi, donc ça va être du monitoring finalement de bases de données, mais également en fait tout ce qui est application, soit web sur donc des serveurs web sur des serveurs, mais aussi tout autre type d'application et notamment aussi du management de virtualisation. Mais aujourd'hui donc ça va être IPAM et UDT. La console Orion, donc qu'est-ce que la console Orion? Vous avez pu voir les différents produits qui vous sont proposés par SolarWinds, et il faut savoir que tous ces produits-là vont pouvoir être managés depuis une seule interface, donc simple et intuitive, qui s'appelle la console Orion. Donc dans cette console Orion, en fait, selon les produits que vous avez achetés, c'est SolarWinds, vous allez pouvoir en fait les déverrouiller, les débloquer sur votre console Orion, comme de genre d'espèce de plugin. Et la puissance en fait de cette console Orion, c'est que vous allez voir que potentiellement vous allez avoir une synergie en fait entre les différentes solutions en fait que dont vous faites l'acquisition chez SolarWinds avec la gestion de tout, donc de toutes ces solutions depuis la console Orion. Donc cette console Orion va pouvoir largement en fait en termes de scalabilité s'adapter finalement à la croissance de l'entreprise. Là par exemple c'est du licensing, une taille de licensing donc plutôt pour le NPM, mais on va avoir des similitudes en fait avec les autres produits. Donc vous pouvez voir qu'en fait pour la console Orion, pour la plus petite taille, on va pouvoir déjà monitorer jusqu'à 1000 éléments, ce qui est déjà quand même une assez bonne taille. Et ensuite donc pour Medium, de 1000 à 6000 éléments, et ensuite pour les plus gros environnements, donc supérieurs à 6000 éléments, on va pouvoir comme ça en fait s'adapter finalement à la croissance de l'entreprise et à son besoin.
Au niveau de l'installation, donc l'installation se fait assez facilement, un déploiement facile. Donc vous allez pouvoir avoir différents scénarios de déploiement. Vous pouvez très bien en fait dissocier donc ce qui est le mieux effectivement le SQL Server, là où vont être stockées en fait donc toutes les données de la console Orion, et après stocker donc la console Orion qui est un serveur web, un site web sur un autre serveur. Donc en prérequis, par exemple donc pour cette console Orion dans laquelle on va greffer les différents produits, par exemple si on prend donc le small, donc allant de SL100 jusqu'à SL500 pour les monitoring, on va vous recommander donc plutôt un CPU de 2,5 GHz et de 4 à 8 Go de RAM. On peut voir le scénario typique, par exemple, pour un environnement de supérieur donc à 10 000 éléments à monitorer. Hein. J'imagine que cet environnement va être certainement réparti entre plusieurs sites. Donc, quand je disais qu'effectivement, au niveau scalabilité, finalement, cette console Orion et les différents produits SolarWinds peuvent suivre la croissance de votre entreprise, vous allez pouvoir donc dispatcher en fait des serveurs de pooling hein, sur les différents sites hein, qui vont eux collecter finalement toutes les données nécessaires à vos différentes solutions SolarWinds et les remonter directement en fait à la console Orion qui sera par exemple, admettons, sur votre site principal. Donc, au niveau des tarifs, juste pour IP Address Manager, qui est une solution hein, de gestion adresse AGP, on va y venir plus en détail avant, on peut voir à partir de 1625 euros en tarif prix public, qui va jusqu'à monitorer 1024 adresses IP. D'accord? Donc, de toute façon, on va y venir juste après. Et User Device Tracker, donc la deuxième solution dont on fait le focus aujourd'hui, à partir de 1545 euros et va pouvoir monitorer jusqu'à 2500 ports. Donc, aujourd'hui, le focus, comme vous pouvez le voir, donc on va faire un petit focus sur IP Address Manager et User Device Tracker. Alors, ces deux produits en fait ont une réelle synergie l'un avec l'autre. C'est pourquoi en fait SolarWinds d'ailleurs vend ces deux produits sous forme, si nécessaire, sous forme de bundle en fait qu'on va appeler IP Control Bundle. Les avantages en fait qu'on va avoir avec ce bundle et ces deux produits, donc ça c'est pas la liste exhaustive, mais ça va surtout permettre principalement par exemple de résoudre les conflits d'adressage IP que vous pouvez avoir, hein, qui est une véritable calamité, dès qu'on va manager en fait plusieurs dizaines de serveurs DHCP avec des plages, plusieurs dizaines de plages par en plus serveurs DHCP. Donc les conflits d'IP qu'on va pouvoir avoir, on va pouvoir donc en fait les résoudre simplement en deux clics, étant donné que cette console va nous afficher finalement la liste de tous les conflits détectés. La gestion donc de ces dites plages hein, d'adressage IP, de vos DHCP, mais également la gestion de vos zones DNS, donc tout ça depuis la console Orion, et avec l'aide de User Device Tracker, donc la détection finalement élevée d'une utilisation de vos DHCP, la détection d'erreurs DNS, l'utilisation en fait des ports de vos différents switches, et surtout la détection en fait par exemple des rogue devices hein, qui est vraiment le principe la principale fonctionnalité en fait le principal avantage finalement de User Device Tracker, c'est vraiment comme son nom l'indique hein, c'est de traquer vraiment tous les appareils qui se connecteraient sur votre réseau, et surtout pour éviter que des rogue devices, donc rogue devices, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait des appareils non souhaités hein, qui se connecteraient sur votre réseau, donc par exemple typiquement des gens mal intentionnés hein, qui essaieraient justement d'infiltrer votre réseau informatique. Donc pour le petit focus, je vais passer d'abord donc sur le logiciel IPAM. Donc IPAM, hein, IP Address Manager, donc qu'est-ce que c'est? Donc SolarWinds IPAM Address Manager va vous apporter une solution de gestion centralisée de visibilité et de contrôle de vos différents serveurs DHCP, DNS ainsi que les plages IP de votre réseau. C'est vraiment l'intérêt de ce logiciel. Donc vous allez pouvoir gérer, surveiller,
être alerté et notamment faire un reporting. Donc ça, c'est très intéressant finalement quand effectivement vous avez plusieurs techniciens avec des techniciens qui vont être spécialisés par exemple plutôt DHCP et d'autres techniciens plutôt DNS. Ils vont pouvoir comme ça avoir une synergie et une communication à travers la console Orion, étant donné qu'ils vont pouvoir en fait par des systèmes d'alerte s'échanger comme ça et communiquer ensemble quand par exemple un conflit est détecté sur le réseau par donc IPAM. Donc vous allez pouvoir faire comme cela un reporting par exemple à votre manager de toute votre infrastructure IP ou à des prestataires qui auraient besoin de prendre contrôle finalement de votre réseau depuis donc la console Orion, donc simple et intuitive. Donc ça n'a jamais été aussi simple. Vous pouvez voir une liste en dessous des différentes features en fait qu'on va pouvoir voir avec IP Address Manager. Donc on va voir effectivement sous forme de screenshot un peu la console et les différentes fonctionnalités que l'on peut faire avec cette solution. Donc ça c'est le dashboard, donc ça c'est la page d'accueil sur laquelle vous allez pouvoir voir finalement le résumé de votre réseau actuel, donc notamment par exemple l'utilisation de vos différentes plages DHCP. Donc en dessous on peut voir par exemple au niveau de top 10 DHCP scope by utilisation, on peut voir par exemple qu'il y a une plage DHCP qui est utilisée à 20%, etc. Vous allez pouvoir voir effectivement donc le dashboard avec le petit la tuile finalement avec les différentes alertes. Vous allez pouvoir voir une autre tuile directement vous référençant tous les conflits détectés. Donc automatiquement IPAM va détecter s'il y a un conflit d'adressage IP. Par exemple, si jamais vous avez effectivement une IP qui est aussi bien desservie en DHCP, mais aussi de manière statique, a été mis en dur finalement sur une machine, automatiquement IPAM donc, va le détecter et va vous le faire remonter dans sa console Orion. Et ensuite, d'un simple clic, vous allez pouvoir... C'est ce qu'on va voir. Par exemple, shutdown, donc c'est-à-dire éteindre finalement le port en question, par exemple de la machine qui a l'IP statique, pour que le DHCP puisse fonctionner correctement au niveau de ces adressages. Ici, dans ce screenshot, donc, on peut voir effectivement le management, la possibilité de manager les différentes plages DHCP, les différents serveurs DHCP. Donc, en l'occurrence, IPAM est compatible avec tout serveur Windows Microsoft, avec le module DHCP, et notamment tout ce qui est Cisco, donc pour les routeurs Cisco avec des serveurs DHCP. Donc comme je disais, vous allez pouvoir effectivement voir l'utilisation de vos différentes plages par une interface graphique. Vous voyez qu'avec un curseur, vous allez pouvoir comme ça sélectionner en final l'utilisation de votre plage souhaitée. Vous allez pouvoir effectivement donc lancer des scans finalement des différentes plages à la recherche finalement d'IP qui ne sont pas encore consommées, etc. Comme je vous l'ai dit, effectivement, vous allez pouvoir personnaliser vraiment ce système d'alerte finalement quand par exemple un conflit est détecté. Par exemple, s'il y a une adresse IP qui a un conflit, il va vous remonter finalement l'adresse MAC finalement des machines potentielles qui auraient un conflit avec cette adresse IP. Donc il y a vraiment un système d'alerte qui est déjà mis en place, mais vous pouvez après également finalement les personnaliser simplement pour avoir une réelle communication et tout simplement que ça prenne un sens finalement s'il y a une communication entre différents pôles de techniciens. Donc un dashboard, finalement la page d'accueil qui est entièrement customisable également. Donc vous pouvez le voir, vous pouvez effectivement rajouter après comme vous le semble des tuiles de graphique par exemple concernant n'importe quelle vue que vous voulez avoir. Là, on peut commencer à voir dans ce screenshot en fait la synergie qu'on pourrait avoir avec User Device Tracker, donc UDT, étant donné que par exemple, là typiquement dans ce screenshot, on est dans la page d'information d'une certaine adresse IP par exemple. Et ce qui est intéressant avec User Device Tracker, vu que c'est donc la solution qui vous permet de traquer par exemple les différents appareils, quand vous allez cliquer en fait sur pour voir les détails des informations de l'adresse IP, UDT va vous remonter en fait sur cette adresse IP
l'adresse MAC, mais également par exemple l'utilisateur qui est connecté à travers cette adresse IP en fait, hein, donc l'utilisateur Windows Active Directory, le compte Windows Active Directory, mais notamment par exemple l'adresse IP, vous allez pouvoir donc le dispositif sur lequel est affectée cette adresse IP, notamment sur le port finalement du switch sur lequel est connecté cet appareil, etc. Donc c'est pour voir, on a une réelle symbiose finalement et synergie entre les deux solutions. Donc ici vous pouvez voir les systèmes d'alerte hein, après les différentes tuiles. Donc vous pouvez voir également aussi toutes les modifications qui sont effectuées depuis la console Orion, donc soit pour une plage réseau, etc. Donc là vous allez pouvoir voir notamment la connexion des différents techniciens hein, pour avoir un audit de sécurité finalement, étant donné que la sécurité est quand même assez primordiale avec ce type de solution. Donc, comme je disais, vous allez aussi, si vous avez différents pôles de techniciens avec différents admins et finalement niveaux de techniciens, donc vous allez pouvoir affecter comme ça des niveaux finalement d'accès à cette console Orion, hein, qui correspondrait donc au niveau finalement du technicien. Donc ici, vous allez encore, comme je disais, hein, pouvoir personnaliser aussi les différentes alertes, c'est-à-dire vous allez pouvoir modifier les déclencheurs finalement qui vont correspondre à une certaine alerte. Par exemple, si vous voulez avoir une alerte spécifique concernant une certaine plage finalement IP de votre DHCP, parce que tout simplement cette plage est assez critique, admettons elle va disposer de serveurs critiques, etc. Donc vous allez pouvoir comme ça personnaliser finalement également les alertes. Et le système de reporting, hein, vous allez pouvoir générer comme ça en fait des fichiers de reporting avec par exemple le nombre de conflits qui ont été détectés et résolus en fait par exemple au cours des 30 derniers jours de façon à communiquer ce genre d'informations à votre direction et tout simplement bah, finalement dire que votre logiciel en fait a vraiment servi à avoir un gain en productivité finalement dans la maintenance quotidienne de votre parc informatique hein, et de vos différents dispositifs informatiques. Donc ça c'était pour les différentes features, les différentes fonctionnalités, donc depuis la console Orion à travers le logiciel IPAM. Je vais vous montrer maintenant en fait les différentes features qu'on pourrait avoir avec l'autre solution qui est UDT, donc User Device Tracker. Donc User Device Tracker, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une solution en fait qui va vous aider finalement, comme son nom l'indique, hein, à traquer, même si c'est un anglicisme, mais c'est vraiment son but. En fait, tous vos appareils qui seraient connectés finalement sur l'enceinte de votre réseau. Donc vous allez pouvoir voir en fait des informations détaillées par exemple sur un appareil, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, donc par exemple le compte Windows qui est connecté à cet appareil, bien entendu sa MAC adresse, son IP, mais savoir exactement sur quel port de quel switch est connecté l'appareil, sur quel par exemple aussi également SSID, hein, l'appareil est connecté, donc si vous avez du Wi-Fi, etc., vous allez pouvoir whitelister les appareils qui vous semblent pour vous fiables, mais également en fait avoir une remontée automatique des ROC devices. Donc les ROC devices, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement tout appareil en fait non souhaité, non voulu, non connu en fait sur votre réseau informatique. Et dès qu'un appareil comme ça non connu et connecté à votre réseau, il va vous être remonté depuis la console Orion grâce à la solution User Device Tracker. Et donc instantanément, vous allez pouvoir le mettre par exemple sur une watchlist, c'est ce qu'on va voir effectivement dans les screenshots. Donc dans un premier temps, ça vous pouvez voir, c'est la console, finalement le dashboard hein, de User Device Tracker. Donc vous allez avoir un listing comme ça sous forme d'arborescence, sous forme de forêt de vos différents switches répartis par marque. Donc là, on peut voir par exemple qu'il y a du Brocade, Cisco. Il y a du Dell, etc., du HP, et ainsi vous allez pouvoir voir donc tous les ports des différents switches. Et par exemple, si vous cliquez sur un port, vous allez avoir à côté les différents appareils qui sont connectés dessus, potentiellement sur le switch.
Donc, Network Device Tracking, vous allez avoir donc une série d'informations sur les devices. Vous allez pouvoir voir donc actuellement, comme je disais, sur quel port est connecté l'appareil, mais également, par exemple, depuis combien de temps l'appareil est connecté sur ce port. Donc, vous pouvez avoir comme ça des informations, des fois qui peuvent vous être super utiles, surtout quand vous voulez faire un troubleshooting, quand il y a une panne, par exemple, sur votre réseau. Vous allez pouvoir voir par exemple si l'appareil a une modification d'adresse AGP, par exemple sa dernière IP connue et sa nouvelle. Vous allez pouvoir effectivement voir potentiellement en fait si cet appareil a été connecté dans le passé à un autre port ou si donc il a reçu une nouvelle adresse IP. Notamment une série d'informations, donc ça c'est la série d'informations dont je disais tout à l'heure concernant en fait par exemple le compte d'authentification Active Directory. Donc en l'occurrence on peut voir que cet appareil actuellement il y a Jessica Smith qui est connectée dessus. Ceci donc c'est le device watch list. Si jamais par exemple un nouvel potentiel appareil non connu est détecté sur l'enceinte de votre réseau, avant de pouvoir en fait tout simplement c'est-à-dire éteindre le port sur lequel est connecté l'appareil hein, par prévention, vous pouvez le mettre dans ce qu'on appelle donc un device watch list, qui est en fait tout simplement une liste de surveillance des appareils qui vous semblent suspects. Donc à la place comme ça en fait de tout simplement éteindre le port, vous allez pouvoir le mettre dans une liste et quotidiennement vous allez avoir un reporting comme ça hein, depuis la console Orion. Des choses finalement des éléments qui ont été modifiés par l'appareil. Alors je veux dire par là par exemple si l'appareil semble finalement s'être adressé de nouvelles adresses IP ou il y a une modification, vous allez pouvoir voir tout cela en fait depuis le device watch list. Notamment le device whitelisting, hein, donc par MAC adresse par exemple, donc ça c'est tout simplement finalement la liste blanche hein, concernant en fait les appareils qui vous sont dignes de confiance, de façon à être sûr de ne pas recevoir d'alerte tout simplement pour ces appareils là. Et vous avez aussi une fonctionnalité avec UDT qui est le Remote Port Shutdown qui va vous permettre en fait de pouvoir éteindre des ports par exemple d'un certain switch sur lequel donc est connectée la console Orion. Vous allez pouvoir comme ça l'éteindre à distance en un clic. Donc c'est vraiment, on retrouve cette philosophie finalement des produits de SolarWinds quand on veut parler de simplicité d'administration, c'est d'une part être alerté, donc d'une part il va avoir la détection finalement par exemple d'un ROC devices grâce à UDT, et d'un autre côté, en un clic également on va pouvoir résoudre ce problème là. Donc c'est-à-dire soit le mettre dans une watchlist pour pouvoir le surveiller en fait ultérieurement, ou soit directement en fait éteindre le port en question parce qu'il n'est pas possible en fait pour vous par mesure de sécurité qu'il y ait un appareil non connu en fait qui reste connecté sur l'enceinte de votre parc informatique. Pareil, donc ici hein, vous allez pouvoir personnaliser en fait par exemple les données et les reportings hein, qui vous sont finalement remontés par UDT mais également après par IPAM. Donc pareil que pour IPAM, hein, de toute manière tout est lié étant donné que tout est managé depuis en fait la console Orion. Cette console donc est entièrement personnalisable effectivement par des systèmes de tuiles. Donc vous allez pouvoir finalement vraiment afficher ce que vous souhaitez finalement voir et ne pas être finalement dérangé par des informations qui vous semblent pour vous inutiles en tout cas. Et un déploiement effectivement donc assez facile hein, pour le monitoring, étant donné que donc vous allez pouvoir lancer votre propre monitoring comme ça, en fait des éléments que vous voulez monitorer et écarter finalement les éléments qui ne sont pas nécessaires pour le monitoring avec UDT par exemple. Donc écoutez, ce webinaire touche à sa fin, donc merci de votre participation.
Alors, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas donc à aller donc si vous tapez IP Control Bundle SolarWinds sur Internet, vous devriez tomber donc sur la page donc de IP Control Bundle justement, vous montrant en fait encore à nouveau des captures d'écran, une vidéo de démonstration notamment donc de 2 minutes. Et si vous voulez participer à une version d'essai, n'hésitez pas à passer par cela. Et si vous voulez plus d'informations, donc vous n'hésitez pas à envoyer un mail directement donc à commercial@cnrinformatique.com ou visitez notre site www.cnrinformatique.com pour une demande de contact. Donc merci d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.